écoute, je peux rien faire pour le moment. L'année prochaine, peut-être. Quel est le problème? Il me demande une augmentation, mais en ce moment... Comment tu les payes, ces petits jeunes? Ceux à mi-temps, hein? 2,50 de l'heure. Ah, non, mais dis donc, tu parles pas sérieusement. Chez moi, ils commencent à 5 dollars de l'heure. Bon, combien de temps il te faudra pour installer les étagères? Ah, pff, difficile à dire. Avec les commandes de Chicago, j'ai plus personne de disponible. Je te dis attention, je ne me plains pas. Je suis complètement gelé dans la fourgonnette. Pourquoi tu mets pas le chauffage? Parce que j'ai une sinusite. Ce que je voudrais, c'est que ça puisse être prêt pour les vacances. Teddy, qu'est-ce que t'en penses? John, tu peux faire un effort avec tout le boulot que je te donne. Dès que je peux, je t'assure, dès que je peux. Trouvé ça? John Gacy, tu connais? Il a fait quelques trucs pour Monsieur Austin l'année dernière. Combien ça vaut, ça? Il y a des filles qui ont de la chance. C'est l'anniversaire de ma mère. Tu crois que ça lui plaît? Elle va adorer. Tiens, prends ça. Pourquoi? Pour que tu te le mettes sur les épaules. J'ai pas envie que t'attrapes froid. Merci. Joyeux anniversaire, Madame Gant. Mais merci beaucoup, comment tu le sais? Oh, c'est Chris qui me l'a dit, c'est quand? Oui, en fait, elle veut savoir ton âge. 46 ans. Oh, maman! Mais je n'aurais absolument pas honte. On peut y aller? Oh, est-ce que tu pourrais attendre une petite minute? Il y a un type qui va revenir chercher son calepin et je crois qu'il va m'offrir du boulot. Il m'offre le double de ce que je me fais ici. Oh, attends! Il fait très froid dehors. Oh, t'es encore pire que ma mère. Je me dépêche. Ici non plus, il fait pas chaud. Chris? Chris? Christopher? Chris? Il n'est pas dans le magasin. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'en sais rien. Monsieur Austin? Pas de trace de lui. Ni dehors, ni dedans, nulle part. Mais il a dit qu'il revenait tout de suite? Il a peut-être décidé de rentrer à pied. C'est pas si loin. Ne lui est rien arrivé, ne vous inquiétez pas. Je vais téléphoner à Gacy à tout hasard. Peut-être que Caslow, lui, ont déposé Chris. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Faut que je m'entraîne. On a un match ce soir. Quel match? Papa! J'essaierai de venir te voir. J'espère bien. Tu devrais quand même pas te lever aux aurores. Oh, ça te va bien de dire ça. Eh oui, les hommes de la maison sont obligés d'attaquer à l'aube. Le café est prêt. Des œufs peut-être? Non, je ne peux pas, je suis trop en retard.
Il y a des moments où je voudrais que ton père soit encore en uniforme. Il y a des moments, lui aussi. On le voyait plus souvent à l'époque. Merci, message reçu. Tu te lèves aussi tôt tous les matins? Ah, il le faut bien, c'est mon nouveau boulot. Il faut que je me défonce. Ça doit te plaire. Oui, presque autant que toi, tu aimes le basket. Contre qui vous jouez? Les frères Baptiste, ils viennent de Chicago. Super frais. Ça veut dire bon. Ah. Je voudrais que tu t'occupes de cette disparition. Christophe Gant, dis-moi ce que tu en penses. Tu crois que je peux penser si tôt, le matin? C'est quand même. Toi, tu as une grande expérience de ce genre de choses, quand tu étais au bureau. Il n'y a pas tellement de gens qui disparaissent. Pas ici, à des plaines. Là-bas, à Chicago, oui, mais pas ici. C'est principalement des fugueurs. Ils ont des problèmes à l'école et ils s'en vont. Est-ce qu'il a dû arriver avec ce gamin? Oui, peut-être. Peut-être pas. Plutôt pas mal physiquement. Mmh. Élève de l'école de Maine West, en plus. C'est là où va ton fils, non? Oui. Ce garçon fait des petits boulots après l'école depuis l'âge de 12 ans. Sa mère ou son père passe le prendre quand il a fini son travail. Ça ne correspond pas tellement à ton type de fugueur? Non, pas tellement. Lieutenant, il y a un monsieur et madame Gant à la réception. Ils veulent parler à quelqu'un à propos de la personne disparue hier soir. Oui, merci. C'est parti. Quand votre fils est sorti, vous êtes certaine que c'était pour parler à ce monsieur Gassi au sujet d'un travail qu'il lui proposait? Mais ce n'est pas lui qui a dit qu'il allait le voir. Comment le savez-vous, là? C'est Cindy Beck qui me l'a dit. Elle travaille au magasin avec Chris, c'est pour ça. Il était très excité. Il a dit qu'il lui proposait deux fois plus que monsieur Austin. C'est si difficile à comprendre. Juste avant, il était avec moi dans le magasin. Si vous voulez vous asseoir une seconde, madame Gant. Est-ce qu'il y avait une raison spéciale pour que Chris ait besoin d'argent? Je vois vraiment pas le rapport. Je sais qu'il essaie de faire des économies pour se faire une chambre noire à la maison. Tout le monde dit que c'est un très bon photographe. Il est écrit ici que monsieur Austin a téléphoné chez monsieur Gassi hier. Il n'était pas là. En tout cas, il n'a pas répondu au téléphone. Je vous promets, madame, que nous allons faire tout notre possible pour le retrouver. Merci, lieutenant. Je ne sais pas sur quelle affaire tu es, mais tu laisses tomber. Tu te mets à fond sur cette disparition. À quelle heure il arrive, Atkins? C'est son jour de congé. Eh bien, tu l'appelles et tu lui dis de s'amener ici pour te donner un petit coup de main. Joe. Ouais? On devrait peut-être attendre un peu. Non. Et la séance avec les témoins? J'ai pratiquement montré du doigt au milieu des autres. C'est vrai, j'arrêtais pas de dire, c'est une espèce de gros porc qui sévit dans vos magasins. Des mois de boulot, et aucun d'entre eux n'a été fichu de le reconnaître formellement. Très bien, je vais voir si la police peut vous mettre une patrouille sur le coup. Il est peut-être assez dingue pour recommencer. Voyez si William ou Atkins sont appelés. Entendu. Apparemment, tu y es, tu pourrais me trouver quelqu'un, j'en peux plus. Moi, je suis complètement débordé à taper les dépositions des témoins. Ah, oui, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que je t'avais dit? Lieutenant. Plus tard. Un môme comme ça à la tête de détective. Mais tu plaisantes. Il fait ce boulot depuis 15 ans. Tu es allé au centre commercial? Non, c'est William. Et alors? Oh, rien de très intéressant. Vincent Austin ne se rappelle pas avoir vu Gassi parler à Christopher Gant. Tu as parlé à ce monsieur Gassi? Au téléphone. Il a dit qu'il n'avait parlé à aucun employé de pharmacie. Ni la première fois, ni quand il est repassé, quelques minutes plus tard pour prendre un agenda qu'il avait oublié. À quel moment Gassi a-t-il parlé au jeune Gant à propos de ce travail? Il l'a peut-être pas fait. Ça veut dire? Ça veut dire que j'ai parlé à une douzaine d'employés qui travaillent au centre commercial et qui vont et qui viennent toute la nuit. Eh bien, deux ou trois seulement se rappelaient avoir vu Gant dehors dans la rue, mais aucun ne l'a aperçu avec quelqu'un qui correspondait à la description qu'Austin m'a donnée de John Gassi. Génial! En fait, il n'y a personne qui se rappelle avoir vu Gassi. Mais le petit n'est pas un fugueur. Pas avec des parents comme ça et pas le jour de l'anniversaire de sa mère. Il faut appeler Chicago. Ils ont peut-être une plainte contre Gassi. Si j'avais touché un dollar chaque fois qu'il m'envoyait pète, je te jure que je me ferais bronzer sur une plage du Poésie. T'as bien un copain d'enfance qui travaille au fichier à Chicago? Essaye de l'appeler et demande-lui de fouiller un peu dans ses armoires. Et il ne travaille plus la nuit maintenant. Bon, eh bien, tu vas quand même l'appeler. J'avais des projets pour ce soir. Je viens de te dire qu'il fallait que tu l'appelles. Je suis sûr qu'on passe à côté de quelque chose, ça tient pas debout. Tiens-moi au courant.
J'ai comme l'impression qu'il y a un aimant quelque part en ville qui attire tous les malades mentaux qui passent sur l'autoroute. On a quelque chose sur lui? Allez, seconde. Ouais. Chicago a reçu 2 plaintes concernant John Gassi. Pourquoi? Violence. La première, il y a 5 ans, et... Ça finit par un non-lieu. La dernière, en juillet, cette année. L'enquête se poursuit. C'était une violence de quelle nature? Je ne sais pas. Quoi? Comment ça, tu ne sais pas? C'est tout ce que mon copain m'a dit, excuse-moi. Eh bien, écoute, tu vas te dépêcher de le rappeler. Ah, attends. Il a déjà pris des risques énormes en me donnant une info classée secrète. Bon... Je peux aller à Chicago demain matin. Je fouillerai sur place. Non, 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 non. Demain, ce sera peut-être trop tard. Joe. Écoute, on sait tous que violence, ça peut dire un tas de choses dans le boulot. Ça va de la fugue dans un bar jusqu'à... Jusqu'à la violence physique mettant en danger la vie d'un individu. On va être en retard. Et il faut que vous veniez me retrouver devant chez Gassi aussi vite que possible. Oui, c'est ça, aussi vite que possible, t'as bien entendu. J'ai l'impression que je vais rater ton match une fois de plus. Ça fait rien. Ouais. Désolé, j'ai pensé que je serais plus à l'aise si j'étais chez le procureur. Jusqu'où on peut aller? S'il ne veut pas vous laisser entrer, ne forcez pas la porte. Et s'il ne veut pas vous parler, vous repartez. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'il faut pour sortir le gamin. Et s'il est à l'intérieur? C'est vrai, qu'est-ce qu'on a sur lui? 2 plaintes et on sait même pas si c'est grave. Il y a un gamin qui a disparu. Mais il a disparu depuis moins de 24 heures. Je te jure que j'espère me tromper. J'espère que Gassi n'a rien fait. J'espère que Gant va se pointer très bientôt, mais quelque chose me dit le contraire. Oh, on ne va quand même pas mettre en doute ton intuition. Oh, merci. En route. Et si on entre dans la maison, on peut pas faire grand-chose sans mandat. S'il y a la moindre indication que le petit est là-dedans, et si Gassi paraît bizarre, eh bien on avisera. C'est vous qui avez sonné il y a 2 minutes. Désolé, j'étais aux toilettes. Lieutenant Kozensik, de la police des plaines. Les inspecteurs William et Atkins. Et voilà, on mène une enquête sur la disparition de Christopher Gant. Je regrette, je peux pas en dire plus que ce que j'ai dit au téléphone. C'est curieux parce que nous avons un témoin qui dit qu'il vous a vu parler avec le petit devant la pharmacie hier soir. C'est forcément un malentendu. On peut peut-être entrer pour le dissiper. Sûr. Pas vous. Lui seulement. Excusez-moi, je suis pas de bonne humeur, mais... Je viens juste de rentrer. C'est la première fois que je peux me détendre aujourd'hui. Il y a vraiment des jours où rien ne va. Ouais, je comprends. Nous avons ce témoin. Le témoin a rêvé. Il pense même que le petit est monté dans votre voiture. Je vous dis qu'il ment. Ou alors c'est vous. Je vous demanderai de réfléchir, monsieur Gassi. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose à propos de Christopher Gant? Non.
Non, rien du tout, et j'espère que vous le retrouverez. Non, attendez une minute, il faut que je vous montre quelque chose. Vous voyez ça? Adjoint d'honneur du shérif. Et ça parce que j'ai fait beaucoup de trucs pour votre police. Donc vous comprenez très bien pourquoi je suis un peu étonné. Ça vous ennuierait beaucoup si je jetais un coup d'œil dans la maison? Non, vous avez un mandat? Ah non, pas ici. Alors vous feriez bien de dégager vite fait. Satisfait. Je voudrais que vous veniez au poste avec moi. Mais pourquoi faire? Pour faire une déposition sur votre emploi du temps d'hier. Non, je ne peux pas. Et pourquoi ça? Mon oncle est mort cette nuit. J'y allais quand je suis parti du magasin. C'est vrai, j'allais à l'hôpital de Chicago vérifier. Et maintenant, ma tante va me téléphoner d'une minute à l'autre. Elle compte sur moi pour que je m'occupe de l'enterrement. Vous n'avez qu'à lui téléphoner tout de suite. Quel est le numéro? Elle n'est pas chez elle. Vous voyez pas que je suis bouleversé. J'adorais mon oncle. Autant pas tante. Je viendrai au poste dès que j'en aurai le temps. Ne tardez pas trop. C'est dingue. Vous n'avez aucun respect pour les morts. C'est vraiment incroyable, cure des flics. Il s'appelle Théodore Caslow. Il travaille pour Gassi. Aucune trace du petit là-dedans? D'après Vincent Austin, le pharmacien, Caslow était à la pharmacie hier soir. C'est peut-être avec lui que Gant a parlé de boulot. Ouais. Appelle Chicago demain à la première heure. Demande s'ils ont un truc sur... Caslow, dégote-moi tout ce que tu peux sur ces plaintes pour violence. Il faut que l'un de vous reste ici. Et surveille la maison. Eh ben, bonjour la réception quand j'entrerai chez moi. Je vais rester. Terry, je t'écoute. La fourgonnette est partie à fond de train. J'ai décidé de la suivre. Je me suis peut-être fait avoir. On verra où est-ce qu'il est allé. C'est ça le problème. Il m'a semé. La route était glissante et j'ai... Ouais, ça va. Tu peux rentrer maintenant. Repose-toi un peu.
Bureau du lieutenant Kozensik. C'est monsieur Gassi. Excusez-moi, lieutenant, j'ai pas pu venir hier soir. J'avais décidé de venir vous voir et j'ai dérapé sur la route. Je me suis enlisé. Il m'a fallu plus de 2 heures pour m'en sortir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. C'est arrivé au croisement de Grant et de Maurice. Non, non. Je vous crois, monsieur Gassi. Il faut toujours que je vienne au poste. Oui, oui, aussitôt je pourrais. Oui. Alors, du nouveau ? Ça vient de Chicago. Ton instinct ne t'avait pas trompé. Les documents sur Gassi. Merci. Dans l'autre immeuble, bureau du procureur. Je comprends votre émotion, lieutenant, pour ce pauvre garçon. Mais qu'est-ce que vous avez pour appuyer votre demande pour un mandat de perquisition ? Des doubles des rapports sur les 2 arrestations à Chicago. Dans les 2 cas, violences sexuelles à l'encontre de jeunes hommes. Écoutez, le premier plaignant a dit à la police de Chicago que Gassi l'avait gardé prisonnier dans son garage. Il avait abusé de lui plusieurs fois, il l'a laissé pour mort. C'est grâce à ça qu'il a pu s'échapper. Faites-moi voir. Il est écrit aussi que Gassi a nié en bloc et que l'affaire s'est terminée en non-lieu. Le jeune était un prostitué et on en arrive à ce choix. Qui doit-on croire ? Un individu douteux ou un respectable homme d'affaires ? En fait, si on avait cru ce jeune type, Chris Grant n'aurait pas disparu. La deuxième affaire ? L'enquête se poursuit, même genre d'accusation. Et même genre de jeune. Ça n'est pas indiqué. Alors commencez par le trouver pour qu'on sache. Mais il a quitté la ville juste après ça. Donc vous me dites que M. Gassi a tout pour passer pour un homme respectable. Étant donné les circonstances, je ne suis pas sûr de pouvoir convaincre un juge de vous délivrer un mandat de perquisition. Lieutenant Kozensik ? Oui. Un de vos hommes voudrait vous parler. Oui. Gassi a fini par se montrer. Il dit qu'il ne parlera qu'à toi et qu'il n'attendra pas longtemps. Lis-lui les rapports et commence à prendre sa déposition. Mais attention, fais ce que tu peux pour qu'il ne parte pas avant que je sois là. Compris ? Oui. Gassi. Oui. Vous allez attendre pour savoir ce que le juge dira ? Non, je pense que Gant est à l'intérieur et je veux le sortir de la maison avant qu'il lui arrive des trucs horribles. Don va vous aider pour remplir la demande. Monsieur Gassi, est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un de précis quand vous êtes allé à l'hôpital rendre visite à votre oncle ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous mettez ma parole en doute ? J'ai parlé à l'infirmière responsable de ce service, elle ne se rappelle pas vous avoir vu. Je me contrefiche de ce qu'elle se rappelle ou de ce qu'elle se rappelle pas. Je n'ai pas de compte à vous rendre, que je sache. John Gassi ? Je crois que je l'ai rencontré en plusieurs occasions et il a fait beaucoup pour les œuvres de charité de la ville. Vous croyez vraiment qu'il a enlevé le petit ? Oui, monsieur. Je crois pouvoir assurer qu'on ne peut pas reprocher à mon client de ne pas s'être montré coopératif. 6 heures. Ça fait 6 heures de gâché. Ah, calmez-vous. Voyons. Alors, je ne vois pas comment vous pouvez lui refuser de repartir. Après tout, vous savez que mon client a une excellente réputation dans tous les milieux qu'il fréquente. Ça va, tirons-nous de cet endroit, je m'en contrebalance de ce taré de policier. Monsieur Gassi, je voudrais les clés de chez vous, s'il vous plaît. Pour quoi faire ? Fouillez votre maison. Je crois qu'il vaut mieux les lui remettre sans problème. Sinon, il faudra que vous changiez votre porte. Vous avez vraiment quelque chose contre moi. Monsieur Gassi a fait une déposition ? Il l'a signée ? Pas encore. Parfait, tu vas la revoir avec lui. Et cette fois en présence de son avocat. Et demande-lui poliment de la signer. Terry. Mais faites quelque chose, ou je vais finir par me demander pourquoi je vous paie. Pour toutes vos affaires commerciales. Gilles, quand on a fini, occupe-toi du garage. Chris ? Chris ? Regarde là-dedans. Chris ?
Aucune trace du petit dans le garage? Aucune. Rien de mon côté. Les traces fraîches, c'est du sang, j'ai l'impression. On pourrait être plus catégorique une fois que ce sera au labo. Cela dit, ça y ressemble. Très bien. Vous avez des sacs pour placer les pièces à conviction? Alors apportez-les avec un appareil photo. On va recommencer la fouille de la maison. Et cette fois, il faut remarquer tout ce qui peut lier Gassi à la disparition du gamin. Qu'est-ce que vous attendez? Secouez-vous! C'est trop tard. Le petit est mort. Bac de l'école de Maine West. Quelle année? C'est pas Christopher, les initiales sont L-A-T. Ça vaut la peine de chercher de ce côté-là. Ed, fais-moi des photos de toute la pièce. Sorte de trappe par ici. Eh ben, ouvre-la. C'est curieux, tout à l'heure, je l'avais pas remarqué. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'arrêtez? Nous avons trouvé un grand nombre de bijoux dans votre tiroir. Et alors, il y a une loi qui l'interdit? Et une planche avec des menottes. Oh, ça suffit, lieutenant. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas continuer comme ça, sauf si vous pouvez porter des accusations précises. Je sais. Si vous avez fichu le foutoir chez moi... Vous voulez ramener monsieur Gassi, s'il vous plaît? J'ai pas besoin qu'on me ramène chez moi, j'ai ma voiture. Non, monsieur, je suis obligé de la garder pour inspection, comme la fourgonnette. Est-ce qu'il peut me faire ça? Malheureusement, oui. Vous n'avez rien contre moi. Vous faites simplement un numéro. Vous voulez me mettre sur la paille. Ça ne marchera pas. Je vous raccompagne. Espèce de demeuré. John. Si ce gamin passait cette porte maintenant, je ne le reconnaîtrais même pas. Lui non plus, il ne me reconnaîtrait pas. Des magazines porno. Des caleçons. Deux boîtes de bagues. Feuilles d'hommes, vieux et vides. Un grand choix de bijoux masculins, des montres, des bagues. Trop petites pour les doigts de Gassi. Des chaînes en or ou en argent, des bracelets, des stylos, un assortiment de drogue. Et une paire de menottes. Ah,
Belle voiture. Je l'ai louée. Vous allez bientôt fermer ? Oui, monsieur. Vous voulez venir faire un petit billard et fumer un peu ensuite ? Non, pas souvent. On peut peut-être faire la fête ensemble un soir, rien que tous les deux. Ça vous tente ? Tiens. Allez, tiens, prends. C'est pour toi, allez. Non, ça va. Tiens, je te dis, prends. C'est pour le service. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que mes meilleurs hommes sont déjà sur d'autres pistes. Pourquoi vous voulez vous acharner sur lui comme ça ? Il faut lui mettre la pression. Il faut savoir ce qu'il a fait des cadavres de tous ces pauvres gars. Il serait assez stupide pour retourner près des corps. Si je le secoue un maximum, peut-être qu'il se demandera s'il les a assez bien cachés. Vous l'espérez. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Faut que je me défonce simplement parce que... Oh, ça va arrêter. Vous voulez m'aider, oui ou non ? Il a tué un gamin. Vous croyez ? Ça aurait pu être votre fils ou bien le mien. Ne me faites pas un numéro là-dessus. Hein. Et il faut qu'on aille jusqu'où ? Vous le surveillez. Il a déjà eu affaire à la police plusieurs fois. Si on lui donne une excuse, il va pousser des hurlements sur la liberté du citoyen. Mais vous voulez qu'il sache qu'on est derrière lui ? C'est ça. Surveillez-le. Vous n'allez pas devenir très populaire en agissant comme ça. Léonard Alexandre Thomas. Ça s'écrit T-H-O-M-A-S. Oui, c'est vraiment bouleversant. Et il y en a un autre. Trask. T-R-A-S-K. Lester Aaron Trask. Oh, je déteste les enterrements. Est-ce que tu viens souvent ici ? Oh, papa n'aurait pas voulu. Il voulait tellement que tu l'aimes. Mais je t'assure. Ouais. Dommage que je n'ai pas été là quand il est mort. Vous êtes des flics, hein ? J'en ai connu des flics à une époque, mais ceux-là, c'était des bons flics. Et qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien, des espèces de limaces. Mais il y a un problème ? Non, il n'y a pas de problème, ils sont... Oh, ça fait rien, ils montent dans la voiture, j'arrive tout de suite. Pourquoi vous me suivez comme ça ? C'est le Polak, je parie. Pourquoi il en a après moi comme ça ? Qu'est-ce que je lui ai fait, ce type ? De quoi est-ce que vous voulez me parler, lieutenant ? Eh bien, je voulais... J'ai fait organiser des battues par la police tout autour de la forêt de Wallaby et le long de la rivière. Et il me faudrait des vêtements de Chris pour que les chiens puissent... Parce que vous pensez qu'il est... Il faut que vous retrouviez Chris pour nous, monsieur. Oh, il le faut qu'on puisse... qu'on puisse l'enterrer au cimetière. Monsieur Trask, j'ai consulté les registres de l'école de Maine West. Votre fils est un des deux diplômés de l'année dont les initiales sont LAT. Ça ressemble à la bague que j'ai offerte à Lester. Monsieur Trask ? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose concernant cette bague ? Ça a disparu de la maison depuis près de 2 ans. Il faut qu'il sache que vous êtes là. Mais c'est pas la peine de jouer les héros. C'est la voiture de Gassi. Il a l'air vraiment pressé. On l'a vu, c'est lui qui a enlevé le gamin. En tous les cas, c'est ce que pense Kozensik.
vous en a fallu du temps. Est-ce que vous avez l'intention de m'arrêter pour excès de vitesse ou quoi? Salut à tous. Ah, tout le monde est sorti. Comment ça va? Pas mal, mais ça ira mieux après un verre. Bonsoir. Oh, ça alors, elle est géniale. Elle est géniale, je savais bien que tu viendrais. Attention, tu mets les mains. Viens par là, j'ai quelque chose pour toi. Ah, voilà. J'espère que ça va te faire plaisir. Et vous, jeunes gens, vous êtes bien les gardes du corps de John? Ça paraît évident. Et qui c'est le type là-bas qui est avec notre patron? Oh, lui, c'est Ted Castle. Vous allez bien boire quelque chose? On est en service. Oh, avec les compliments de Monsieur Gassi? Non. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée quand même. De marijuana. C'est ce qu'il cherche. Et bon, on lui fera pas ce plaisir. Enfin, pas encore. Si vous voulez, on peut continuer toute la journée. J'avoue que je voudrais bien. Ben, on fait vraiment de notre mieux, avec les moyens qu'on a. Ben, je vous fais signe dès qu'on opère quelque chose. Je crois qu'elle peut nous aider sur ce coup. Médium? Ouais. Oh, arrête, c'est vraiment n'importe quoi. Elle a travaillé avec pas mal de services dans cette vie. Ouais, et je peux savoir ce que tu lui as dit. Rien du tout. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle a pu lire dans les journaux locaux sur la disparition du jeune homme. Et d'après ce qu'on dit, je suis sûr qu'elle peut être utile. Lester A. Trask. Il a disparu depuis près de 2 ans aujourd'hui. Mes parents ont dit ce que la police de Chicago a fait après cette disparition? D'après Madame Trask, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que son fils avait une voiture, une Honda rouge 5 portes, qui a disparu elle aussi il y a 3 ou 4 ans. En fait, la police a dégoté un copain qui s'est rappelé que Lester disait qu'il envisageait de la vendre. Le copain a dit que Lester en avait assez de son boulot et qu'il voulait de l'argent pour changer de ville. Et tu crois que c'est ce qui s'est passé? Non. Pourquoi? Il n'est jamais passé prendre son dernier chèque dans sa boîte. C'est quelle boîte? LPW? Robert, c'est une teinturerie de Chicago. Désolé, mon vieux. Ouais. Et le rapport du technicien sur ce qu'on a trouvé? Des résultats? Non, pas terrible pour l'instant. C'est pas vrai, tu plaisantes, je ne suis pas fou, ils ont bien vu le sang sur la planche de bois. Un groupe O, comme Chris, non? Enfin, comme la moitié du pays. Bon, Terry, il faut que tu ailles voir Madame Trask. Cette bague n'est pas arrivée toute seule chez Gassi. Joe! La voiture de Lester qui a disparu, la Honda de 3 ou 4 ans avec 5 portes. Ouais. D'après les flics qui surveillaient Gassi, Gassi est parti de la boîte de nuit vers 2h du matin avec Ted Castle. Castle conduisait une Honda 5 portes rouge de 3 ou 4 ans. Quoi? Ah, regardez. Est-ce que je me serais trompé de coupable? Bah, ça peut être une coïncidence. Non, non, non. Il faudra le numéro de la voiture. Je vais être franc, moi j'ai jamais pu croire aux coïncidences, surtout pas celle-là. Juste aux conséquences, Lester Trask a disparu. Sa voiture a disparu. Et c'est Caslow qui est au volant.
On a quelque chose sur Caslow? Oh, pas grand-chose. Parce que je me suis concentré plutôt sur Gassi, alors qu'est-ce qu'on a? Burton a fait une petite enquête, adresse actuelle 2144 Rock Ridge Drive. À 10 minutes à peine de la pharmacie. Et il était là le soir où Chris a disparu. Oui, il y avait aussi Gassi. Et on a trouvé la bague de Trask chez Gassi. Caslow a habité avec Gassi pendant 3 ans. Il a déménagé il y a 6 mois pour se marier. Ah oui, bon, on a quelque chose pour continuer comme ça. Gassi a été marié aussi. Oh, très efficace, Bill. Gassi. Et Caslow, est-ce qu'on aurait un dossier sur lui par hasard? Non, il n'y a jamais rien eu ni ici ni à Chicago. Bon, bah alors il est peut-être plus malin que je l'avais imaginé au début. Amène-le ici, qu'on s'explique. Comment ça va, lieutenant? Très bien. On commence à appeler. Manifestement, les gens qui connaissent Gassi commencent à penser que vous vous trompez de coupable. Ils disent qu'il est honnête. J'essaierai d'y penser. Bien. Je ne crois pas qu'on fasse quoi que ce soit d'inutile. Le problème, c'est plutôt qu'on n'arrive pas à avoir accès à toutes les informations. Je ne veux pas que vous creusiez votre tombe, c'est tout. Ça vaut un dossier, pas une carrière. J'essaierai de m'en souvenir. C'est John qui me l'a vendu, $350. Quand ça? Il y a 1 an, je crois. Peut-être un peu plus. Vous voulez que je vous dise, je crois que je me suis fait avoir, c'est un tas de ferraille, elle bouffe beaucoup d'huile. Vous avez un reçu de Gassi? Tiens, oui, vous avez raison. Dommage que j'ai pas pensé à ça. Mais vous avez le papier d'enregistrement, bien sûr. Je l'ai perdu. Dommage. Vous conduisiez la Honda le soir où il est venu à la pharmacie d'Austin? C'était quand? Il y a 4 jours, le soir où Chris a disparu. Alors c'est pour ça toutes ces salades? J'avais la fourgonnette de la compagnie. Vous y êtes allé 2 fois? Ouais. La 2e fois, John m'a demandé de le suivre quand il est allé chercher son calepin. Sa voiture avait des problèmes, je suis reparti dès qu'on est arrivé. Et vous êtes allé où? Chez moi. Ma femme est très sévère. Elle aime pas que je traîne. Donc, vous n'avez jamais vu ni parlé à Chris Gant? Si John vous a dit ça, il a menti. John a parlé au gamin? Comment voulez-vous que je le sache? Il a parlé de Lester Trask, j'espère bien. Il dit qu'il connaît pas, il sait pas pour Gassi. Mais il a vu Gassi s'intéresser de près au petit jeune qui travaille à LPW. Et pas lui, d'après ce qu'il dit. Eh oh, je suis pas comme lui, dites-lui que j'ai une femme, allez, dites-lui. Est-ce qu'il a donné des noms d'un de ces jeunes? Il dit qu'il se rappelle pas. Tu peux me dire ce que vous avez fabriqué tous les deux? Écoute, si tu crois que tu peux faire mieux, faut pas te gêner. Hein. Désolé. Non, c'est moi, c'est... On est tous crevés, cette histoire de travailler un peu le ciboulot. J'ai l'impression, ouais. Je croyais que vous saviez qu'il était à voiler à vapeur. Il nous faisait un sermon. Il prétendait qu'il avait l'esprit large dès qu'on abordait le sexe. Il disait ça à qui? Au type qui travaillait pour lui, je l'ai déjà dit. Quel type? Le type qui l'attaquait. Il n'y a pas un nom dont vous vous rappelez? Je m'en souviens pas, non. En disant ça, vous faites plonger Gassi. Vous vous rappelez s'il est arrivé un problème à l'un d'eux? Alors? Qu'est-ce que vous disiez? Alors, il vous a parlé de ceux qui ont disparu, Vous demandez ça à John? Non, je préfère commencer par vous. C'est vous qui étiez devant la pharmacie le soir où Chris Gant a disparu. John aussi. Et c'est vous qui conduisiez la voiture qui a appartenu à un type qui a disparu. Et c'est John qui me l'a vendu. John, hein, c'est toujours John. Vous n'avez rien à voir dans tout ça. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? La vérité.
Mais vous comprenez tout de travers. Les gamins, c'est pas du tout mon truc. Ouais, ouais, je sais. Mais John, oui. Oui, mais... Mais quoi? C'est pas un mauvais type. Il paye bien. Et c'est pour ça qu'il est bien. Je l'ai vu pleurer. À propos de ce qu'il faisait aux jeunes? À propos de son père. Il était pas là quand son père est mort. Et parce qu'il pleure, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien? Parce qu'il n'a pas pu être là. J'en sais trop rien. Et où est-ce qu'il était? Quelque part, dans l'Iowa. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, tu crois qu'il est dans le coup? Est-ce qu'il nous raconte bien tout ce qu'il sait? Bon, il faut s'enseigner à l'échelon national sur Cassie. J'aurais dû demander ça déjà depuis le premier jour. Mais on n'avait pas à le faire non plus, arrête. Ouais, bah c'est une belle ânerie. Il vaut mieux s'y mettre, vite fait. Lieutenant, une dame veut vous voir. Je l'ai fait attendre dans le bureau. D'accord, merci. Terry, dis-moi tout de suite ce que les fédéraux t'auront répondu. Qu'est-ce que je dois faire de Castelo? Laisse Atkins s'en occuper. Avant tout, merci d'être venu. Oh, je viens d'avoir votre message. Vous voulez me voir au sujet de John? Vous savez qu'on est divorcés? Oui. Je l'ai pas vu depuis 2 ans. Je sais pas ce que je peux dire. Gacy. G-A-C-Y. John Wayne Gacy. Oui, oui, je sais qu'il est tard. J'ai quand même besoin de renseignements. Merci. En fait, c'était pas bien longtemps après notre mariage. On venait de faire l'amour, et il a dit... Il a dit, c'est la dernière fois. J'ai fait ça simplement pour te faire ce cadeau, parce que c'est la fête des mères. Ça vous fait pas rire, ça? Non. Et quand il a commencé à ramener des jeunes, des gamins en fait, je les voyais quitter le garage le lendemain matin. Vous ne vous souvenez pas s'ils ont eu des problèmes? Comme quoi? Aucun d'entre eux n'a jamais disparu par hasard? Il y a eu un coup de fil. Du père d'un jeune qui disait que son fils avait disparu et qui demandait à John de le rappeler. Vous vous souvenez de son nom? Est-ce que ça pourrait être Trask? Miklovitch. Je me rappelle parce que c'était difficile à prononcer. J'ai inversé le K et le L quand j'ai parlé de ce coup de téléphone à John. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il avait d'autres problèmes à régler avant de s'occuper d'un gamin qu'il avait plaqué. Attendez, le petit travaillait pour John? Il a vraiment dit ça? Merci beaucoup. Merci pour tout. Oh, vous répéterez pas à John ce que j'ai dit? Bien sûr que non. Il sait où j'habite. Oui, oui, je comprends. J'ai trouvé. Si cette espèce de pourri n'était pas là à la mort de son père, c'est parce qu'il était dans l'Iowa en prison. Pourquoi? Sodomie. Sodomie. Waterloo, dans l'Iowa, il y a 9 ans de ça. Terry, tu téléphones à Waterloo tout de suite. Il faut savoir s'il y avait des jeunes dans ce coup-là. C'est déjà fait. Les dossiers sont enfermés. Le type de garde est nouveau, il connaît pas l'histoire. Mais tu peux demander au chef de la police. Je sais que c'est tard, mais... Il est parti en vacances depuis ce matin. Il a bien choisi le moment, celui-là. Bon, je m'en occupe demain matin aux aurores. Non, non, je m'en charge. Toi, tu t'occupes de savoir ce qu'est devenu un jeune dont sa femme m'a parlé, Miklovitch. Le jeune disparu? J'en ai bien peur. Allez, oui, 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 vous allez pouvoir le lui dire, je vous le passe. Hé, hey, je te demande au téléphone, ça vient de Des Plaines, en Illinois. Prends le message. Et dis que c'est un flic. Et pas que c'est important, vas-y. Belle façon de commencer les vacances. Oui, Valdron. Oui, écoutez, voilà, on travaille sur une disparition. J'ai des raisons de penser que John Gacy y est mêlé.
Votre officier de garde dit que vous avez mené l'enquête. Vous vous rappelez, il a été condamné pour sodomie. Vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens. Les victimes avaient quel âge? Oh, des jeunes. Et vous? 16 ou 17 ans. Ouais, c'est son gibier. Il a débarqué à Waterloo comme s'il était le bon Dieu. Il donnait des cours bénévolement. Et depuis le début, il tapait sur les jeunes qui travaillaient pour lui. Ça a duré 2 ans. Et comment il s'en sortait? En payant, parfois. En filant une trouille bleue à d'autres, en menaçant carrément les parents. Qu'est-ce qu'il leur faisait? Il les emmenait chez lui sous un prétexte ou un autre. Il enchaînait leurs pieds à une planche. Et il leur passait une corde autour du cou. Et il serrait. Et ils ont libéré cette ordure après qu'il ait fait seulement 3 mois. Et aucun des petits n'a été porté disparu? Non, heureusement. Il y en a un qui a osé le dénoncer. Il était à moitié mort quand il est venu nous voir. Les vôtres sont morts? Oui. Tony m'a dit qu'il vous fallait quelque chose que la personne appréciait beaucoup. Est-ce qu'il portait un pull à vert avec des motifs? Un blouson coupe-vent. La description des vêtements est parue dans la presse. Vous ne croyez pas trop au médium, n'est-ce pas? Il avait des taches de rousseur. Oui, quelques-unes. Et une marque sur le visage. Oui. Ici. Oui, c'est oui. Il l'avait depuis sa naissance, une petite marque. Il n'est pas mort tout de suite. On lui avait attaché les mains. Il avait les mains attachées. Et puis, il y avait de profondes coupures. Des coupures et une corde. Et puis, mais pas autour des mains. C'est... Il a monté le coup. Oh, il est si fort. Oh, il est si fort. Il est même très fier de sa capacité à pouvoir berner tout le monde. Il est insensible. Il n'éprouve rien. Rien. Et il y a un instrument. Une planche. Il a fait souffrir Christopher avant de le tuer. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à propos de ce qu'il a fait du cadavre du petit? Je vois une maison et une tour, une tour et puis quelque chose relié à une tour. Il y a une machinerie et des camions. Le seul mot auquel je peux penser, c'est chantier, c'est ça. Et il y a des arbres. Beaucoup d'arbres. Et de l'eau. Et un écriteau. Les mots... Evergreen. Evergreen. Et il y a... Et puis il y a un monceau de terre. Je ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Il y a tellement de cadavres. Oh, je suis fatiguée. Je regrette, je n'y arrive plus. Non, n'arrêtez surtout pas, non. Je vous en prie, essayez. Où est-ce qu'il est passé? Je n'arrive plus à le voir, je l'ai perdu. Ah, oh, tous ces...
Tous ces gens dans le même endroit sombre. Tous ces corps mutilés. Tous ces cadavres. Qui a torturé et abattu tous ces gamins. Quoi, Hanley? Arthur Hanley, c'est ça que... C'est lui dont vous parlez, l'homme à Houston qui a massacré 12 gamins? Mademoiselle, qui a creusé ces tombes? L'homme qui a tué Chris Gant. Et si vos types commençaient vraiment à bousculer Gassi? S'ils commençaient à lui faire peur? Attendez une minute, c'est vous qui payez? Oui. Alors c'est d'accord. Jusqu'à présent, ce type a toujours eu l'initiative. Alors on va changer de rôle, on va lui compliquer le boulot. On va bousculer ce gentil Gassi pour que le méchant fasse surface, coller lui au basque. Et s'il fait une bourde, on sera près de lui. Ou pas trop près, ça lui plairait. Je veux vraiment l'affoler, je veux qu'il croie qu'on est prêt à lui mettre le grappin dessus. Oui. Il y avait quelque chose qui me travaillait depuis deux jours et je trouvais pas ce que c'était. Et ça y est, ce matin, après la réunion, j'ai jeté un coup d'œil sur mon fichier. C'était le deuxième interrogatoire de Madame Trask. Elle m'a dit, entre autres choses, que la voiture de son fils avait disparu, y compris un téléviseur portable qu'elle lui avait offert quand il a pris un petit appartement. Et c'est quoi, ça? C'est une des photos des pièces à conviction qu'on a prises le soir où on a cherché Grant chez Gassi. Tu te rappelles le bureau qu'il y avait dans la chambre? Oui. Avec les bijoux et la bague de Lester? Bah, regarde ce qu'il y a sur le bureau. Madame Trask a gardé des papiers qui pourraient nous servir, un reçu pour cette télévision. Bah justement, je l'ai appelée pour lui demander et elle regarde si elle a la garantie ou quelque chose avec un numéro pour l'identifier. Je suppose que c'est tiré par les cheveux, mais... Non, ça vaut le coup d'essayer. Ouais. N'importe quoi pour coincer cette pourriture. Bon, je te tiens au courant. Beau boulot, Terry. Ils ont l'air de bien travailler. Ouais. J'espère qu'on va coincer Gassi. Mike, il faut voir comment il va réagir si on lui balance le nom des autres gamins qui ont disparu. Pour essayer. Et la description de la médium, l'endroit où sont tous les cadavres, l'endroit sombre, prenait un chantier d'après elle. Vous y croyez? Hier soir, quand je l'ai quitté, j'ai roulé partout dans des plaines, toute la nuit. J'allais voir les coins qui me venaient à l'esprit. Autrement dit, vous marchez à fond dans son histoire. Elle m'a même parlé de mon kyste sur l'omoplate. Et ça, ils n'en ont pas parlé à la télévision. Et qu'est-ce qu'elle a dit pour ça? Elle a simplement dit que la douleur disparaîtra au moment où on coincera Gassi. Je savais bien que vous aviez un intérêt personnel dans cette histoire. Oui, il faut que je file. Vous vous occupez de ça? Hein? Vous savez que passé un certain âge, on n'a plus le droit de traîner dans des endroits pareils. C'est très mauvais pour les cœurs. Écoute une minute. Tu peux essayer de t'arranger pour qu'on me laisse respirer en paix ce soir. Comme ça, c'était fait. Non, vous n'êtes pas dans votre juridiction ici, alors vous créez pas de problème. Il y en a un qui est mignon. Le problème, c'est lequel? Moi, j'ai fait mon choix. Tu vas être déçu. John a changé la vie. Et il dit que vous pouvez venir prendre un verre avec lui. Je savais bien qu'il avait un bon fond. Hey, attendez, vous êtes qui, vous?
Moi, je suis leur patron. Je vous apporte les amitiés de John Miklovich. Il dit qu'il a travaillé pour vous. Je me rappelle pas de ce nom. Ça te dit quelque chose, toi? C'est curieux parce qu'il vous a décrit parfaitement. Gros, beau parleur. Garçon, vous buvez quelque chose? À qui croyez-vous parler? Donnez-moi ça tout de suite. Donnez-moi ça. Je veux votre nom et votre numéro. Vous me l'écrivez là-dessus. Vous passerez devant le juge comme ce demeuré de Polak. Là, vous commettez une sacrée erreur. Vous savez, on est de votre côté. On trouve que Spolak a vraiment un culot d'enfer de vous piquer vos voitures. Ça n'a pas duré bien longtemps. Oh, sûrement. Vous avez mal caché la planche avec les menottes. Pardon? Vous parlez de quoi, là? Il parle de quoi? De matériel que tu m'as laissé en partant? Je te jure que je comprends pas. Ouah. Dites-moi, on ne pourrait pas aller chez vous, s'éclater? Les filles sont fournies par qui? On n'a pas besoin de filles. Greg est partant pour toutes les expériences. Caslo lui dira pas, j'espère. J'ai raison, t'as dit? Dira qui? Kozensik a fait venir une fois de plus. Il paraît que c'était pour la voiture que vous lui avez vendue. Elle aurait appartenu à un petit qui a disparu. Bon, alors on y va tous, ou non? Miklovich? Non, 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 je te jure. Et où est-ce qu'ils l'ont dégoté, alors? J'en sais rien, tu me connais, hein, je parle pas aux flics, moi. Il faut que tu la boucles maintenant, t'entends? Sinon, je te jure, tu pourras jamais t'en remettre. Pour rien tirer de moi. S'ils te demandent pour la bagnole, tu dis que tu l'as achetée aux enchères à Cicero. Bien sûr, c'est ce que tu m'as dit, je fais tout ce que tu oui, dis. C'est ça, absolument. Tu fais toujours ce que je te dis. Tu piges. Ouvre. Non, ça va pas, arrête, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ouvre, je te dis, ouvre. Couille-toi. Cette pourriture de flic. Si on vient fouiner par ici, il a intérêt à savoir nager. Depuis qu'on a enlevé la pompe, le niveau de l'eau monte. Ça ne nous empêchera pas de mettre une tonne de ciment. Dites, appelez le bureau du chef. Il faut que je le voie absolument. Ça y est, elle les a trouvés. Trouvé quoi? Madame Trask. Elle a trouvé les papiers du poste de télévision. Il est où? Il est dans ce bureau par là. Terry s'est occupé de la série de meurtres. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il fait un devis pour un travail de rénovation. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Il nous prévient à chaque fois qu'il se déplace, les copains. Il nous a même invité chez lui. Vous pouvez vous arranger pour y aller? Quoi faire? Jeter un œil sur la télé qui est dans sa chambre. Avec ou sans mandat de perquisition? On a besoin du numéro de série pour savoir si c'est celui de Lester. Ce sera ça. S'il vous pique en train de fouiller, on aura des problèmes. Mais j'assumerai tout. On peut y aller, alors? Oui, c'est ça. Herr Kozensik. Qui vous surveillait, eux ou moi? Ai-je des raisons de vous surveiller, monsieur Gassi? Je peux partir d'ici quand je veux, mon grand. Je peux filer dans un pays où on n'a pas d'accord d'extradition, comme le Brésil, par exemple. À votre place, j'éviterai. Vous éviteriez, mais vous ne pouvez pas m'en empêcher. C'est faux, vous savez, vous mentez. C'est vous qui vous trompez, pauvre taré. Allons, calmez-vous, monsieur Gassi. Doucement, Joe. Vous ne voyez pas que vous ennuyez, monsieur Gassi? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous prenez sa défense? Il vous ennuie, hein? Non, ça va. Je sais que vous y êtes pour rien. Vous devez faire ce que le Polak vous dit, hein? Mais plus pour longtemps, le demeurer! Vous entendez? Plus pour longtemps! Est-ce qu'il les a identifiés? Monsieur Caslow a une sorte de blocage chaque fois qu'on lui parle des gamins disparus. Il va bientôt nous jurer sur sa tête qu'il n'a jamais vu Gassi faire son petit numéro avec des minés. Bon, d'accord, je l'ai vu, mais je sais pas ce qu'il faisait avec. Jurer ? Hé, lieutenant. Je vais essayer d'être franc avec vous. J'ai du mal à croire que vous savez si peu de choses.
Alors ne faites pas l'idiot, vous ne faisiez pas que travailler avec lui, vous avez fait la fête avec lui. Vous vous êtes éclaté avec lui, vous avez vécu chez lui. C'est pas interdit, non? Vous l'avez vu amener des jeunes dans le garage. Oui, bah alors c'était après mon départ. Et puis il y a la voiture que d'après vous, Gassi a sûrement vendue, celle qui a appartenu à un des gamins disparus. Elle venait d'où, d'après vous? Demandez à John. Plus tard, pour l'instant, c'est à vous que je parle. Et il paraît qu'il l'avait achetée à une vente aux enchères à Cicero. Et vous l'avez cru? Ouais. On appelle ça une machine polygraphe. Un détecteur de mensonges. Ça nous indiquera si vous nous dites la vérité. Mais c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. John! Qu'est-ce que vous voulez? Un foie de canard dehors. Allez vous plaindre au Pollack. Ah, c'est un vrai malade. On pourrait peut-être aller se prendre un verre. C'est moi qui l'offre. On peut peut-être revenir et regarder la télévision. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Faut que je passe quelques coups de fil. Bon, alors, si vous ne venez pas avec nous, vous pouvez peut-être nous inviter chez vous. Pour nous montrer que vous ne nous en voulez pas. Vous avez vu Chris Gant? Non. Vous m'excuserez, la machine dit que vous mentez. D'accord, oui, je l'ai vu. Où ça? À l'intérieur du magasin, ce soir-là. Vous avez vu Chris quand il est sorti pour lui parler du boulot à mi-temps pour LPW? Non, je suis parti tout de suite. Vous saviez que Gassi attendait Chris dehors? Non. Est-ce que Gassi a ramené Chris chez lui? J'en sais rien, j'étais pas là ce soir-là, je suis rentré chez moi. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Whisky. Whisky, ce sera parfait. Et attendez, je peux savoir où vous allez? Il faut que j'aille aux toilettes. Hé, hey, oh! Et mon whisky? C'est superbe chez vous. C'est pas vous, là, avec Rosaline Carter? Bien sûr que c'est moi. Femme étonnante. L'homme de l'année? Bah, dites donc, c'est impressionnant. Oui, oui, j'avais organisé une belle petite fête pour... Jack! Qu'est-ce qu'il fabrique? Jack, qu'est-ce que vous faites là-dedans? J'arrive dans une minute. Où est mon whisky, John? Sortez d'ici. Vous me dégagez d'ici tout de suite! Sortez d'ici et laissez-moi! Si vous voulez éviter des problèmes, vous avez intérêt à dire aux demeurés de Pollack qu'il faut qu'ils se calment! Alors? Je l'ai. Ça signifie quelque chose pour vous? Non, monsieur, qu'est-ce que c'est? Mais justement, c'est bien ce qu'on voudrait savoir. Supposons que je vous lise une liste d'endroits. Ça vous aidera peut-être. Si jamais ces endroits vous disent quelque chose, rappelez-vous, vous répondez par oui ou par non. Three Line Road. C'est près de la rivière? Oui ou non? Non. Summer Hill Road? Non. La maison de Cassie? Le garage? Ou bien la chambre? Le grenier? Ou alors le sous-sol de la maison? J'arrête, j'arrête, moi!
vous êtes allé dans le sous-sol de la maison? Non, non. D'accord, mais parlons de Gassi, qu'est-ce qu'il allait y faire? Vous avez menti! Vous vous contrefichez de ce qui peut m'arriver! Non. Mais non, vous vous trompez. Et il faut me croire, moi je vous crois. Je ne veux pas que ce type reste libre et fasse souffrir quelqu'un. Je ne veux plus. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé me le faire une fois. Ce qu'il peut faire, ça ne me rend pas complice. Non. Quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Ted? Il m'a forcé à creuser des trous sous la maison. Il a dit que c'était pour un système de pompage. Dépêche-toi, dis-moi quel mensonge cet idiot de Polak te pousse à dire sur moi. Rien du tout, je te jure. Attention à ce que tu vas dire, méfie-toi. J'ai rien dit, je te jure que non. Ah oui? Alors explique-moi comment ces deux rigolos sont venus fouiner dans la maison. Je te jure que je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait un truc pareil? Je vois pas ce que j'ai fait de mal. C'est raté. Quoi? Vous n'avez pas réussi à entrer? Je suis entré chez lui, je suis allé dans la chambre. J'ai noté le mauvais numéro. J'ai pris le numéro du modèle au lieu de celui de la série. Oui, c'est vrai, j'avais le trac, je l'admets. J'ai bien cru que j'allais faire dans mon froc. Ouais, pas fait une grande différence. C'est vrai, ça empestait. À croire qu'il laisse son chien faire partout dans la maison. J'ai besoin de prendre l'air. Viens, je t'offre un verre, on va pouvoir pleurer ensemble. Et qu'est-ce que c'est, au juste, une preuve pour vous? Pour vous obtenir un mandat, ce qu'il faut, c'est un cadavre. Non, ça sera le motif du deuxième mandat, c'est différent. Étant donné les circonstances, lieutenant, je ne vois pas comment vous aurez un autre mandat pour perquisitionner chez Gassi. Bonne nuit. Regardez. Du calme. Une vraie limace. Ah, vous osez vous considérer comme des flics? Vous empestez de partout. Ça sent pas bon chez vous. Pardon, je ne suis pas venu depuis quelques jours. Je vous rapporte son appareil. Chris savait prendre de belles photos. Mais nous en avons très peu de lui. Il va peut-être y en avoir dans le rouleau que Cindy fait développer. Peut-être on pourrait. Vous voulez déjeuner avec nous, lieutenant? Est-ce que c'est Cindy Beck? La jeune fille qui travaillait à la pharmacie avec Chris? Oui. Vous savez quand elle a porté le film à développer? Je veux dire, ça a pu être le soir où Chris a disparu. Fred, le soir où on a fouillé chez Gassi, j'ai embarqué un reçu pour une pellicule. Tu sais où il est? Ça remonte à une semaine. Oui, c'est un reçu bleu et blanc pour une pellicule photo. Un petit reçu, il y avait le nom en partie déchiré. C'est important? Oui, ça peut l'être. L'enveloppe 48-406 a été déposée pour un développement le 11 décembre, en effet. Oui, Cindy Beck. Mais je ne vois pas trop. On l'a trouvée chez votre ami Gassi. Oui. Oui, c'est ça. Merci, monsieur Austin.
Tu sais où on peut trouver Cindy Beck? Entendu, oui, oui. L'école dit qu'elle est allée participer à une coupe de natation. Elle va pas revenir avant la fin de l'après-midi. Mais enfin, comment ce truc a pu arriver là? Est-ce que tu as étudié la déposition qu'elle a faite le premier jour? Ouais, mais il n'y avait rien sur le rouleau de pellicule ou le reçu. On peut lui parler dans combien de temps? L'autobus va déposer les enfants à l'école d'abord. Et on va être là pour l'accueillir. C'est ça. C'est extrêmement important. On a trouvé ceci dans la villa d'un homme qu'on soupçonne avoir tué Chris. S'il vous plaît. Je l'avais mis dans la veste de Chris. La veste qu'il portait quand il est sorti parler d'un boulot possible? Je lui ai demandé de la mettre parce qu'il faisait froid dehors et je voulais pas qu'il s'enrhume. Non. Je ne suis pas très sûre que ce soit suffisant pour moi pour que vous ayez un deuxième mandat. Quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que ça le soit? Alors, vous savez bien que le reçu n'est pas une preuve irréfutable de la présence de Gant dans la villa de Gassi. Si je bouge trop vite et si vous revenez les mains vides, ça pourrait être bien gênant. Comment ça, bien gênant? Chris a été tué. D'autres enfants ont été tués. Et vous venez de me dire que... Joe! Hoskins? Parlez-en avec le lieutenant, s'il vous plaît. Vous reprenez la déposition de la fille. Et laissez-moi y réfléchir jusqu'à demain. Mais écoutez, on... Enfin, pourquoi elle est pressée comme ça? Elle doit assister à la finale de basket. Jack! Jack Burns! Je veux pas attendre vendredi. Il faut me libérer de ce mariol. J'en peux plus. Ils veulent ma mort! Ils veulent ma mort! Ah, venez, il est tard. Venez. J'en peux plus. Oui, je vais voir ce qu'on peut faire. On va arranger ça. Regardez-les. Ils sont là. Faites-les partir. Faites-les partir. Ça va, ça va, ça va. Sortez d'ici tout de suite, vous entendez? On a hâte de le surveiller sans lâcher une seule seconde et on suit les ordres. Mais c'est absolument illégal. Oui, comme l'enlèvement et le meurtre. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous leur parlez? Venez! Ils sont rentrés chez moi sans autorisation. Caslo m'a menti. Je suis là. Et alors? Il y a des nouveaux? Non. Il est toujours là-dedans. Laissez pas partir. Tirez dans les pneus de la voiture s'il le faut. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un véritable animal. C'est pas possible. Il est intenable. Il vaut mieux rentrer, John. Ça ne va pas bien. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il faut vous reposer. Je vais appeler un médecin. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Que je reprenne le boulot. Si on n'est pas sur l'autre, ces gamins, ils s'en foutent complètement. En particulier Grant. Grant, il a mérité de crever. Et comme tous les autres. Il
Désolé de t'avoir réveillé. De toute façon, j'arrivais pas à dormir, alors j'arrête pas de penser à quelque chose que j'ai remarqué chez Gassi. Cette odeur. Faut croire que ça lui plaît. Il aurait tué le chien, ça serait pareil. Je crois savoir d'où ça vient. J'ai senti cette odeur suffisamment de fois quand j'étais simple flic. C'est très particulier. C'est la même odeur qu'à la morgue. Allons-y. Écoutez, il est sûr de reconnaître l'odeur de la salle de bain, parce qu'il est allé à la morgue, bien plus souvent que vous. Vous n'êtes allé à un match de basket, ou Dieu sait où vous êtes allé ce soir. Comment êtes-vous entré chez lui? Vous avez réussi à y entrer illégalement, si j'ai bien compris. Oui, oui, ils ont enfreint le règlement. Ils ont laissé Gassi les inviter à prendre un verre dans sa villa pendant qu'ils étaient en service. Je ne sais pas s'il y a une loi qui interdit d'aller se soulager dans la salle de bain d'un suspect. Alors si j'ai bien compris, vous me dites qu'il vous faut beaucoup plus de preuves pour un deuxième mandat. Alors réfléchissez une seconde à ce que nous avons. D'accord? Avant toute chose, nous avons le reçu de la pellicule. Le reçu que Cindy Beck nous a déclaré avoir mis dans la veste que Chris Gant portait justement le soir de sa disparition. C'est le reçu que j'ai trouvé dans la cuisine de Gassi. Nous avons un officier expérimenté qui est prêt à jurer que l'odeur qui sort des gaines de ventilation de chez Gassi lui rappelle celle qu'il a sentie 100 fois à la morgue. Nous avons la voiture que Gassi a vendue à Ted Caslow. Il se trouve qu'elle a appartenu auparavant à un gamin qui a disparu et dont la bague a été découverte dans le bureau de Gassi. Au milieu de différents souvenirs des autres victimes que ce malade a réussi à entraîner chez lui, Caslow avoue avoir creusé des tranchées dans le sous-sol de la maison. Il lui a dit que c'était pour une question de pompage. Et on a un autre gamin disparu, Miklovitch, curieusement, qui travaillait pour Gassi. Aujourd'hui, mon équipe qui le surveille m'a appris que même son propre avocat nous supplie de ne pas laisser s'enfuir ce fêlé. Alors s'il vous plaît, vous pouvez me dire ce que vous voulez de plus. Don va vous aider pour remplir une demande de mandat de perquisition. Merci. Je peux la remplir tout seul. Il vaut peut-être mieux qu'on y aille. Hé, hey, il est devenu cinglé. Il commence par menacer de me tuer, puis après, il dit qu'il se suicidera si on le laisse pas partir. Il veut que je garde ça parce que c'est son cadeau d'adieu. Je m'en sers jamais, je vous jure. Le voilà. Il en est encore loin? 3 miles. Ne vous inquiétez pas, tel qu'il conduit, on sera tous morts avant d'y arriver. Vous croyez qu'il veut se tirer? C'est ce qu'il a dit à Caslow. Très bien, arrêtez-le, ramenez-le! On ne peut pas! Quelles sont les charges? Mais comment voulez-vous que je le sache? Inventez ce que vous voulez, mais ne le laissez pas s'échapper! Faites ce numéro pour quel motif? Voulez-vous descendre, monsieur, s'il vous plaît, je vous arrête. Quelles sont les charges? Détention et distribution de substances illégales. Oh, ça empeste ici. Oh, ça pue.
récupérer la terre. Voilà le dessin de la médium. J'ai peur de ce qu'on va voir. On peut arrêter la chaudière ? Il va faire chaud là-dedans. Si vous arrêtez les gens parce qu'ils ont envie de se faire planer, vous allez mettre la moitié de Chicago en prison, ça. Puis d'ailleurs, Caslow a menti. Je lui ai rien donné. C'est le détecteur de mensonges de l'autre malade de Polak. Hein? Je fais le test quand il veut. Oh. Il y aura peut-être d'autres charges. Oui, lesquelles? Ça dépend de ce qu'il trouvera chez vous. Ah, il est chez moi ce matin. Oh, bien. On va voir ce que l'avocat va en penser. Je crois que cette fois, cette teigne a fait un pas de trop. Il a un mandat de perquisition. Ça va pas l'avancer à grand-chose. Il trouvera rien. Lieutenant, il vaut mieux appeler le médecin légiste. Il y a les restes d'au moins deux ou trois corps là-dedans. Le lieutenant a continué ses recherches pour retrouver le corps de Chris Gant. En partie parce qu'il avait promis aux parents de le retrouver pour qu'ils puissent l'enterrer décemment. Il le retrouva, 4 mois plus tard, au confluent des rivières Des Plaines et Illinois. John Gacy a été condamné à mort pour le meurtre de Chris Gant et de 32 autres mineurs. Il est incarcéré au pénitencier de l'État de l'Illinois et attend l'exécution de la sentence. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Il y a des arbres. Et de l'eau. Et une tour. Quelque chose qui relie cette tour. Un écriteau. Et il y a des camions. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est chantier. Il y a écrit Evergreen. Evergreen. Comment s'appelle cet endroit ?